on va parler d'une autre initiative en faveur de l'emploi des jeunes. Cette initiative s'appelle, c'est un nom simple et efficace, Un jeune, une solution, et son adresse URL, c'est unjeuneunesolution.gouv.fr. Pour nous en parler en plateau, bonjour Thibaut Guilluy. Bonjour. Vous êtes haut-commissaire, vous avez été récemment nommé au poste de haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises auprès de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Cette initiative avait été annoncée en juillet dans le cadre du plan France Relance. Elle est donc opérationnelle depuis quelques jours. En quelques mots simples, cette plateforme, Un jeune, une solution, de quoi s'agit-il ? Avant la plateforme, c'est d'abord un plan de mobilisation nationale pour l'emploi des jeunes. Effectivement, nous avons lancé, à l'intention des jeunes, mais aussi des entreprises, la possibilité de maximiser leur recrutement par des aides au recrutement, des aides à l'alternance, tout ce qui va permettre de convaincre et de faciliter l'acte de recrutement des entreprises. Elles ont déjà été au rendez-vous puisque sur août, septembre et octobre, pas moins de 923 000 recrutements ont été faits. Finalement, la bérésina qu'on craignait à l'entrée de l'été, les entreprises sont au rendez-vous. Maintenant, nous rentrons dans une deuxième période avec cette plateforme. Cette plateforme, elle a pour vocation de faciliter le passage à l'acte. Les patrons d'entreprises, de TPE, de PME, ont déjà énormément de défis à relever dans leurs entreprises. Elles ont besoin de ces compétences, elles ont besoin de ces jeunes, mais il faut leur faciliter le travail. Cette plateforme est pour eux, pour qu'ils puissent s'engager, dire leurs besoins en termes de recrutement, et soit déposer leurs offres, soit être rappelés tout simplement pour qu'on puisse les aider à passer à l'acte. Alors les offres, c'est des offres d'emploi, c'est du stage, c'est de l'alternance, c'est quoi en fait les offres qui sont vraiment sur cette plateforme ? Alors, c'est un portail unique, c'est une interface, mais ensuite on va aller chercher les offres auprès de tous les partenaires. J'ai envie de dire, on avait Frédéric Mazella qui était ici, on développe aussi nous en sprint cette plateforme qui est sortie jeudi. Il y a un afflux de centaines de milliers de jeunes qui arrivent. 750 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail depuis septembre. 750 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail et déjà un grand nombre d'entre eux qui sont venus sur la plateforme pour pouvoir chercher justement du travail. Donc très concrètement, pour les entreprises qui sont là, elles ont le tout en un. Quelle est la meilleure aide que je peux avoir pour l'alternance, pour un CDI, pour un CDD, pour peut-être investir dans les emplois verts ou dans le numérique, l'aide. Et ensuite, après, on l'accompagne à trouver, évidemment, le jeune, la compétence qui va être la plus motivée, la plus adaptée à son besoin. Et ces missions, c'est pas les missions, on va dire, traditionnelles de Pôle emploi, des missions locales, etc. Est-ce que c'est une mise en synthèse un peu de toutes les initiatives, de tout ce qui se passe au niveau local et notamment de la part de Pôle emploi ? Exactement. Le défi de l'emploi des jeunes fait qu'il y a des acteurs de partout pour organiser des événements, des job dating, pour aider au sourcing. Et dans ce foisonnement, dans cette jungle, j'ai envie de dire, on peut vite s'y perdre. Et donc, moi, je vais à la rencontre des chefs d'entreprise qui me disent, mais comment ça marche ? Est-ce que c'est pas un peu compliqué tout ça ? Eh ben, cette plateforme, unjeuneunesolution.gouv.fr, elle est faite pour eux, pour leur simplifier la vie. Parce que, à la fin, on ne peut pas entendre, comme venait de le dire Frédéric Mazella, qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas se développer car elles ne trouvent pas leurs ressources, alors qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui, je peux vous dire, ont une énergie, une envie débordante d'aller travailler. Et cette plateforme, eh bien, elle a été développée et elle est gérée par Wisby. Nous sommes en visio avec un de ses cofondateurs. Bonjour, Benjamin Ducousseau. Vous êtes à Grenoble et Wisby, une success story dont on a déjà longtemps parlé et souvent parlé sur BFM Business, créée il y a tout juste 10 ans et qui emploie désormais 110 salariés répartis sur les sites de Grenoble, de Pau et de Paris. Et parmi ces 110 salariés, eh bien, Benjamin, une douzaine, je crois, est mobilisée pour faire vivre un jeune, une solution, un gros enjeu pour votre société. Oui, absolument. Je dirais que c'était une très belle opportunité que vraiment de pouvoir contribuer au développement et au lancement de cette plateforme. Peut-être pour donner un petit peu de contexte, voilà, chez Wisby, pour nous, on crée puis on distribue des services pour les jeunes, pour essayer de les aider vraiment à rentrer dans la vie active. Parfois, on le fait avec des marques qui sont sur des services propres, donc des marques Wisby. Il y a un peu plus de 5 millions de jeunes qui utilisent nos services. Puis parfois, sur des marques un peu satellitaires, comme c'est le cas ici, avec un jeune, une solution. Et voilà, on a eu cette opportunité de pouvoir participer à ce développement, qui est un défi vraiment magnifique. Voilà, aider vraiment tous les jeunes partout en France à trouver du travail. Et on est très heureux de pouvoir le faire.
et vous rappeliez votre légitimité, parce que donc la boîte a été créée il y a une dizaine d'années, vous avez depuis décliné votre offre et vos différents services, vous avez du conseil pour les aides qui existent pour les jeunes, vous avez aussi, je crois, un site pour ceux qui veulent passer leur permis de conduire. Donc vous étiez ce qu'on appelle un job board à l'origine, vous avez une gamme complète maintenant de services à destination des jeunes. Ouais, disons que voilà, on est concentré depuis 10 ans donc, sur une chose, c'est vraiment l'avenir des jeunes. On s'occupe de tous les jeunes, peu importe leur niveau de qualification, peu importe leur horizon. On a commencé par un service qui était dédié à la recherche d'emploi pour eux, puis petit à petit, de fil en aiguille, voilà, on a diversifié nos offres en leur proposant par exemple un service pour faciliter vraiment l'accès à toutes les aides et les bourses pour les étudiants, un autre pour l'apprentissage du permis de conduire en ligne, comme vous le dites. Et voilà, aujourd'hui, on a toute une galaxie de services pour pouvoir vraiment les aider. Ce qui nous préoccupe à nous, c'est vraiment d'avoir un impact, le plus grand impact possible dans la vie des jeunes. Et c'est encore une fois pour ça que voilà, avoir l'opportunité de participer à la création, au développement, à la gestion d'une plateforme comme unjeunesolution.gouv.fr était un défi magnifique. Et quand vous dites participer à la gestion et au développement, qu'est-ce que vous faites? C'est vous vraiment qui réceptionnez toutes les offres qui existent? C'est vous qui faites un peu une synthèse de toutes les informations que vous recevez d'un côté et de l'autre? Oui, alors d'abord, cette plateforme, comme l'a dit tout à l'heure Thibault, c'est une plateforme qui est à l'initiative du gouvernement, notamment dans le cadre de France Relance, pour pouvoir aller aider les jeunes. Et nous, disons qu'on a mis nos compétences à profit, qui étaient deux choses, je dirais. Le premier, c'est vraiment notre lien avec les jeunes, puisqu'on a un peu plus de 5 millions de jeunes aujourd'hui qui utilisent nos différents services, donc on sait leur parler, on sait aussi adresser. Et la deuxième, c'est nos compétences en termes d'expertise dans le digital, pour pouvoir vraiment mettre en œuvre très rapidement cette plateforme et avec un usage qui correspond à ce qu'attendent les jeunes. Donc c'est pour ça que sur cette plateforme, comme l'a dit tout à l'heure aussi Thibault, on va pouvoir aller retrouver quelque part deux choses. D'un côté, pour les jeunes, la possibilité de pouvoir accéder à toutes les offres ou les solutions qui sont disponibles à proximité de chez eux. Et puis, dans un autre côté, on va pouvoir retrouver pour les employeurs la possibilité d'être accompagné dans la jungle des aides qui existent pour pouvoir recruter des jeunes et puis également de pouvoir déposer des jeunes, participer à la mobilisation Un Jeune Solution, parce qu'on ne le dira jamais assez, mais sans offre, pas d'emploi. Thibault Guiluy, bilan de ces 10 premiers jours, ça a été lancé je crois officiellement le 17 novembre, on est le week-end du 28-29, bilan en termes de connexion, en termes de mise en relation de manière effective? Écoutez, les entrepreneurs qui nous écoutent le savent bien, les départs sont toujours un peu importants. On a aujourd'hui, sans avoir vraiment démarré la communication, plus de 200 000 jeunes qui sont passés par la plateforme, ce qui montre leur envie en fait de rentrer dans la vie active et de participer finalement à la relance. Et donc c'est ce que j'ai envie de dire moi aux chefs d'entreprise. Des centaines nous ont déjà rejoints sur la plateforme et sur le programme parce qu'ils ont compris que recruter les jeunes, c'est préparer leur rebond, c'est faire leur transformation digitale, c'est accompagner la transition écologique, c'est développer leur entreprise. 200 000 jeunes, déjà plus de 300 000 recherches d'emploi, je crois que près de 20 000 ont déjà trouvé des formations professionnelles, parce qu'on trouve aussi des formations professionnelles pour développer les compétences. Bref, il y a vraiment une forte appétence, un fort goût de la jeunesse à aller dans les entreprises, à trouver leur voie et un emploi. C'est à ça que sert unjeuneunesolution.gouv.fr. Et comme le disait Benjamin de Wisby, pas d'offres, pas d'emploi. Les offres, c'est aux entreprises et aux employeurs de rejoindre le mouvement. Voilà, on va terminer cette séquence avec vous, Benjamin. Donc depuis Grenoble, vos objectifs pour cette plateforme, j'ai lu quelque part, accompagner 100 000 jeunes et mobiliser 1 000 employeurs. Ça reste votre objectif pour le lancement de cette plateforme et les prochaines semaines et les prochains mois? Exactement, c'est direct. Nos objectifs, nous, avec Wisby, c'est vraiment de faire de cette plateforme une plateforme référente pour l'emploi des jeunes en France, puis peut-être demain en Europe. Et effectivement, comme vous le dites, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner plus de 100 000 jeunes concrètement au cœur des territoires avec une solution pour eux et de mobiliser un peu plus de 1 000 employeurs à nos côtés dans cette dynamique. Un mot, on parlait du développement de vos offres. J'ai vu passer récemment l'annonce d'un partenariat avec MyCV Factory, c'est bien cela? Oui, MyCV Factory fait partie des services avec lesquels on collabore. Notre objectif depuis le début est vraiment de créer puis de distribuer des services pour le jeune. Je dirais que dans les 3 prochaines années qui vont suivre, nos grandes ambitions sont de devenir le premier distributeur de services utiles pour les jeunes. MyCV Factory, je crois, est un élément très important qui permet vraiment aux jeunes d'avoir un coaching, d'être mieux préparés dans leur recherche d'emploi. Et donc, c'est naturel qu'on puisse créer des partenariats avec MyCV Factory ou d'autres acteurs
un Global Exam qui crée de l'apprentissage des langues étrangères en ligne. Voilà, ce sont une panoplie d'acteurs qui nous semble incontournable et indispensable à faire connaître. Merci beaucoup Benjamin Ducosso d'avoir été en duplex, donc cofondateur de Wizbee.